Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Avez-vous déjà entendu parler de la collapsologie ou bien de la théorie de l'effondrement ? Non ? Pourtant c'est bel et bien d'actualité. Il s'agit d'une théorie développée par Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans leur livre « Comment peut tout s'effondrer ?». C'est une théorie transdisciplinaire faisant intervenir l'écologie, l'économie, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie et bien d'autres domaines. Cette approche repose sur la raison, l'intuition et des travaux scientifiques reconnus. Pour faire simple, il s'agit d'étudier l'effondrement de la civilisation industrielle et de ce qui suivra après. À partir des années 50, imaginez une courbe ne faisant que grimper. Il s'agit du PIB mondial, de l'utilisation de l'eau, du papier, de la production de crevettes par exemple, ou encore de véhicules, de téléphones, de la population et bien plus encore. Tous ces développements ont demandé des ressources inestimables, non renouvelables, comme le sable, le phosphore, les minerais, les métaux, qui se réduisent comme peau de chagrin. En tant qu'Européens, nous disposons de 500 esclaves énergétiques. C'est-à-dire que notre confort de vie, entouré d'énergie non visible, comme les plastiques, nos vêtements, notre voiture, notre habitation, repose sur ces 500 esclaves, alors que certains habitants du monde n'en disposent d'aucun. La réponse planétaire à cet engouement a été la concentration de CO2, de méthane, l'augmentation de la température, la destruction des forêts tropicales, la perte de la biodiversité, l'augmentation des catastrophes naturelles climatiques. Il s'agit de la grande accélération. Comme enfermés dans une voiture qui roule à grande vitesse, nous sommes aujourd'hui prisonniers de verrous dont nous avons du mal à nous défaire. Il s'agit de verrouillages systémiques, sociotechniques, comme les infrastructures, les énergies fossiles, l'agriculture, ou bien encore institutionnelles ou politiques, et monétaires, comme la dette et les impératifs de croissance. Au niveau individuel et collectif, il s'agit plutôt de problèmes cognitifs, l'incapacité de perception du danger imminent, les habitudes de consommation ou encore le déni. Aujourd'hui, les interdépendances de la mondialisation sont tellement complexes qu'il est réellement difficile de sortir de la voiture avant le crash. Ce qui signifie que nous pouvons être désormais soumis potentiellement à un effondrement systémique global. Selon Dmitri Orlov, ingénieur russo-américain, les 5 stades de l'effondrement sont tout d'abord financiers, ensuite économiques, politiques, sociaux et culturels. Selon Elisabeth Kubler-Ross, psychiatre helvético-américaine, l'effondrement et sa compréhension chez l'individu passe par le déni, la colère, la peur, la tristesse et se termine par l'acceptation. Nous sommes tous à des stades différents de cette compréhension. Lorsque l'acceptation sera majoritaire, alors, à ce moment-là, les humains pourront retrouver la capacité d'affronter cet effondrement par la collaboration en imitant et s'inspirant de la nature pour de nouveau retrouver la résilience nécessaire à la subsistance de l'humanité. Ce scénario vous semble certainement catastrophique, pourtant il semble être celui que nous suivons et les signes ne trompent pas. Une crise financière majeure est annoncée dans un avenir proche, voire cette année. Les inégalités engendrées par le réchauffement climatique s'accentuent, incitant l'homme à migrer. La capacité des gouvernements à satisfaire leur peuple s'amoindrissent, entraînant des vents de révolte un peu partout sur la planète. Quelle réponse doit-on apporter au futur qui se dessine ? Tout d'abord de la cohésion et non de la division, qui amènerait une fois de plus l'homme à la barbarie, mais surtout comprendre que ce que nous avons vécu avec l'ère industrielle est bel et bien révolu. Face à ces événements seuls, les sociétés déjà résilientes s'en sortiront déjà tant bien que mal. Par contre, les sociétés individualistes où l'on croit que seul l'argent domine seront confrontées à beaucoup de violence. Les solutions existent pour atteindre l'autonomie alimentaire et énergétique.
mais toutes ces solutions doivent être rapidement mises en place. Voilà où se situe la transition nécessaire. Il ne s'agit même plus de pouvoir d'achat ou de rêve de richesse, mais simplement de survie. Cette théorie est contestée par certains, remettant en cause une fois de plus l'impact humain sur le réchauffement climatique. Pourtant, même si elle s'avérait inexacte, elle devrait ouvrir notre conscience à l'opportunité qui nous est offerte pour modifier le paradigme économique dans lequel nous vivons. La grande conclusion de ces analyses est qu'il faut impérativement revoir l'échelle de grandeur dans laquelle nous vivons et placer le local comme remède immédiat au futur manque alimentaire et énergétique. Nous verrons au fil des prochaines chroniques les moyens d'y parvenir, la permaculture, l'éco-conception, le biomimétisme et tant d'autres possibilités d'envisager cet effondrement. Bien évidemment, je vous invite à lire les différents ouvrages de Pablo Servigne ou même voir ses conférences sur YouTube. Il est temps de la prise de conscience. Écoutez ce jeune ingénieur nantais qui, pour la remise de son diplôme, a réalisé un discours on ne peut plus clair sur notre système et le besoin de le modifier. Mesdames et messieurs, vous avez compris, bonjour. Je vous ai fait un peu rire jusqu'à maintenant. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Une petite pause. Le fond est souvent plus important que la forme. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Albert Camus. Voilà maintenant 2 mois que j'ai fini mes études. Ça y est, je suis ingénieur, je suis diplômé. Youpi, comme ils disent dans la chanson. Les gens me demandent souvent, et toi, en fait, t'es ingénieur en quoi? Et là, tout de suite, un malaise. Je ne sais pas quoi leur dire. Comme bon nombre de mes camarades, alors que la situation climatique et les inégalités de notre société ne cessent de s'aggraver, que le GIEC pleure et que les êtres se meurent, je suis perdu. Incapable de me reconnaître dans la promesse d'une vie de cadre supérieur, en rouage essentiel d'un système capitaliste de surconsommation. Si on simplifiait quelque peu la situation, un ingénieur serait aujourd'hui celui qui doit trouver des solutions aux problèmes qu'on lui pose, sans remettre en cause jamais ce qu'on lui demande. C'est pas son rôle, on ne lui demande pas son avis. Cette vision, je la trouve étriquée. Évidemment, j'aime trouver des réponses, mais il m'apparaît primordial de comprendre les questions, prendre un certain recul de la hauteur pour saisir les enjeux qui sous-tendent nos difficultés et prioriser nos actions. L'éthique, c'est ce que doit retrouver l'ingénieur, pour ne pas perpétuer les erreurs du passé et du sacro-saint progrès, qui devrait et pourrait toujours nous sauver. Je vous rappelle par exemple que nous, ingénieurs, sommes les géniteurs de l'obsolescence programmée. Alors, quand dans mon école, le budget du Bureau des développements durables se voit amputé, quand la ville de Nantes bouillonne d'idées et d'initiatives pour améliorer les choses, mais que mon école est à la traîne, quand sobriété et décroissance sont des termes qui peinent à s'immiscer dans les programmes centraliens, mais que de grands groupes industriels à fort impact carbone sont partenaires de mon école, je m'interroge sur le monde et le système que nous soutenons. Je doute et je m'écarte. Je me rappelle avec amusement le discours de notre directeur quand je suis arrivé en 2014. Ce dernier nous invitait à prendre la parole, à donner un rôle, un vrai, à l'ingénieur dans notre société, à faire entendre notre voix. Eh bien, monsieur le directeur, je la prends aujourd'hui la parole, pour vous dire que je pense que vous vous trompez sur la vision que vous avez de la transition écologique et les moyens que vous y attribuez. Mon école, votre école, c'est aussi celle de toutes les formidables rencontres, amis et professeurs que j'ai eu la chance de faire. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour faire de Centrale Nantes un laboratoire de solutions techniques, sobres et durables, de changer la donne et de co-construire un futur souhaitable où l'argent n'est plus la seule valeur. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés peuvent changer le monde. C'est toujours comme cela que ça s'est passé. Margaret Mead. Merci. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green ? Oui. Green, comment ? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green. Tu vois, Green, absolument. Green.